L'international marocain Achraf Hakimi dans la tourmente après les accusations graves de viol sur une jeune femme de 24 ans. En effet, selon le journal Le Parisien, le joueur du Paris Saint-Germain est visé par une enquête pour viol. Une femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne affirmant avoir été violée par le latéral droit parisien. La victime n'a pas souhaité porter plainte, mais le parquet s'est auto-saisi de l'affaire. Selon le témoignage de la présumée victime, les faits se seraient déroulés le 25 février dernier au domicile du joueur. Les deux se seraient rencontrés sur Instagram il y a quelques semaines. Toujours selon sa version, la femme de Hakimi en déplacement pour des vacances à Dubaï, elle se serait donc rendue en pleine nuit chez le lion de l'Atlas. De son côté, Hakimi a été aperçu lundi soir lors de la cérémonie des The Best Awards à Paris. Le demi-finaliste avec le Maroc lors du Mondial au Qatar ne s'est pas du tout exprimé lors de cette soirée, où il a été élu meilleur latéral droit du monde. Aux dernières nouvelles, les proches du Marocain nient le fait qu'il aurait abusé de la jeune femme. Le joueur du PSG est décrit comme étant très calme face à la situation. Affaire à suivre donc.